Ben là, on a un stock d'environ 1000 batteries qu'on entretient et qu'on répare tout au long de l'année. Et là, on est fin juillet et il nous en reste que 200. Toutes les 600, 700, 8, les 800 autres sont sur le terrain. Ben en fait, depuis toujours, la fédération a un rôle dans la prévention des dégâts de gibier, surtout le sanglier. Et la fédération a un stock de batteries qu'elle entretient, qu'elle gère, tout ça, et qu'on prête aux agriculteurs pour les aider à protéger leur culture. Le principe, c'est de clôturer les vignes, les arbres, les champs d'arbres fruitiers, les prairies, avec des fils électriques. Donc on y met un courant électrique et ça stoppe les sangliers, quoi. Voilà, en fait, c'est des clôtures toutes bêtes, et c'est des clôtures qu'on utilise pour le bétail. Mais il faut que ces clôtures, voilà, soient bien entretenues, qu'elles soient désherbées, pour pas qu'il y ait de brins d'herbe qui fassent un effet masse et qui fassent perdre l'intensité du courant, qui soit toujours maximale pour les sangliers, quoi. Allez, c'est bon. Il y a aussi le conseil, quoi. On est là pour les conseiller, pour les aider à installer au mieux ces systèmes de protection, quoi. On a environ 10% de casses chaque année, de batteries qui ne tiennent plus la charge parce qu'elles sont utilisées, quoi, parce qu'elles fonctionnent, quoi.